Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas par où commencer, donc voilà, je vous dis comme ça, je pense même pas par ma chose habituelle. Oh là là, alors je la fais à la va-vite parce que j'ai vraiment très très peu de temps pour vous parler un peu de l'actualité de la chaîne. Car oui, il y a eu des changements et il va y avoir de gros changements, car en effet, comme c'est marqué dans le titre, je vais désormais lancer une chaîne secondaire, car pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne comprennent pas comment fonctionne une chaîne YouTube, vous voyez sur ma chaîne à moi, je fais énormément de contenu. Je fais du roleplay, des machines images, je fais des let's play, je fais des débats. Et ben sachez-le, pour ceux qui n'ont pas lancé de chaîne et qui comptent en lancer une, diversifier tout ça sur une seule chaîne, c'est la pire connerie que vous puissiez faire, c'est la pire chose à faire. Je vais reformuler, c'est plutôt l'idéal si vous voulez diviser votre chaîne en fait tout simplement, car admettons vous avez 4000 abonnés comme moi environ, bien que j'en ai bientôt 5000, au passage merci. Vous avez 4000 abonnés, ces 4000 abonnés ils viennent pas que d'un thème précis, ils viennent de plusieurs concepts différents, ce qui fait que les vues ne suivront pas avec les abonnés, et ça c'est bien dommage. Du coup je vais y remédier. Alors la chaîne, le nom de la chaîne va peut-être changer vu le nom pas très original. La chaîne secondaire qui se trouve dans la description et qui va se trouver là aussi sur vos écrans, elle s'appelle Game Whoopie. Et dedans en fait je vais y ranger des let's play, des débats. Et en fait ça va être essentiellement sur ça. Il peut y avoir autre chose, par exemple si je donne des avis sur... En fait, je suis très mitigé parce que je compte faire des critiques de jeux vidéo ou des critiques de films, ou plus précisément des rétrospectives. Et le problème, c'est que j'hésite à faire en sorte que tout ça soit dans cette chaîne-là, ou alors à garder ça sur Whoopidos, parce que si vous voulez, Whoopidos, maintenant, ça va garder que les machinima et les concepts Minecraft. Car elle a commencé ainsi, je vois pas pourquoi elle irait autrement. Alors on va garder le Minecraft RP, on va regarder tout ce qui est vraiment bien contenu de qualité où je passe des heures à bosser sur du montage, etc. On en reparlera un peu plus tard d'ailleurs. On va garder ça. On va garder cette idée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être ajouter du contenu de qualité, mais que sur Whoopidos. Whoopidos, ce sera que contenu de qualité. Et Game Whoopie, ce sera les let's play, truc beaucoup plus simple à faire pour moi. Alors, qui dit qu'il y aura deux chaînes, implique qu'il faut bien faire, bien évidemment, faire une vidéo sur ce qui se passe. Pour vous prévenir, évidemment, vous n'avez pas la trouver comme ça. Mais aussi pour expliquer, parce que du coup, il y aura encore moins de contenu qu'il y a déjà sur ma chaîne à l'heure actuelle. Alors, les problèmes, je vais vous le dire tout de suite, c'est quoi? La première chose qui fait qu'il y a si peu de contenu ces derniers temps, c'est le fait que les profs ces derniers temps en demandent énormément sur les contrôles, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de temps, parce que bon, je compte quand même passer, je compte pas redoubler, ce serait idiot de redoubler à cause d'une chaîne YouTube quand même. Donc déjà il y a ce premier problème. Alors je me perds, attendez, il y a ce premier problème. Le deuxième, c'est qu'évidemment je tourne, vous avez pu voir, je me dis pas comme étant un bon youtubeur, mais j'essaye de fournir de la qualité sur mes machinima. Pour les connaisseurs, un machinima ça ne se fait pas en une heure de commentaires ou autre, non, il y a du temps derrière, il y a de l'écriture, il y a du tournage, il y a du montage, ça c'est compliqué. Et du coup ça fait que je peux pas vous en sortir beaucoup si je veux faire de la qualité sur Whoopidos. Et ensuite, il faut compter aussi qu'il y a une série très 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 ambitieuse, pas celle où j'ai fait un teaser dernièrement, mais une autre qui s'appelle Curse City que je fais avec The Ernesto 97. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne, car en plus la série en question, il n'y aura rien sur ma chaîne si ce n'est que des trailers. Les épisodes ne seront pas upload pour par respect en fait pour Ernesto qui a eu cette idée là, et moi en fait je co-réalise et co-scénarise avec lui. C'est une question de bonne image, voilà, on va être simple. C'est pour ça, donc l'actu de la chaîne c'est à cause de ça qu'il y a très peu de vidéos ces temps-ci. Et aussi il y a eu un truc, c'est que malheureusement j'ai eu un petit moment de démotivation, parce que j'avais eu un très gros moment où les abonnés et les vues ne suivaient pas, et pendant ce moment où je commençais à
bah, hésiter de moi-même sur la chaîne. Pile à ce moment-là, fatalité, la chaîne a commencé à évoluer. Donc maintenant on fait du 500 vues par mois. Enfin on fait du 500, on gagne 500 abonnés par mois et on se fait 5, bientôt 50 000 vues par mois sur la chaîne, ce qui est plutôt pas mal. Alors maintenant je voulais vous remercier pour le fait qu'on ait bientôt 5000 abonnés sur la chaîne, c'est énorme. Je compte refaire une FAQ bientôt là. Bien que avec cette annonce peut-être qu'il y en a qui vont se désabonner et aller sur la chaîne secondaire dédiée au Let's Play. Enfin bref, bon là j'essaye de faire court, je vois qu'on est environ à 6 minutes bientôt là. Donc j'essaye de faire ça. Je vais essayer de monter une FAQ comme je pourrais normalement. Les vidéos devront bientôt revenir parce que c'est, étant donné que je suis en seconde, c'est bientôt l'arrêt des notes pour nous, donc à partir de ce moment-là. Mais ça va bastonner à fond, donc ça ne vous inquiétez pas, du contenu, il y en aura. Alors la pub de Cœur City, je l'ai faite. Maintenant, quelque chose que j'en ai jamais vraiment parlé, mais qu'il faut parler. Alors, je ne dis pas que je mérite quoi que ce soit, hein, mais j'ai fait un système de dons PayPal au cas où. Parce que voyez-vous, comme je l'ai dit plus tard là dans la vidéo, j'ai l'envie de faire des rétrospectives, des critiques de films, etc. Mais bien faites. Pas des vlogs à la Durendal ou des choses comme ça. Je veux vraiment faire des trucs bien faites. Et histoire de foutre un peu de mise en scène, ça serait pas mal qu'on puisse me faire des dons. Rien que 10-20 euros, ça pourrait m'aider. 10-20 euros par mois, je parle évidemment. Rien que ça, ça pourrait m'aider pour le faire. Parce qu'après le matos, j'ai déjà investi, c'est pas grave. Ça, c'est fait, voilà. Donc je vous l'ai dit, désormais, sur les vidéos, il y aura un système de dons à chacune. Système de dons PayPal. Je ne vous oblige à rien, évidemment, comme d'habitude. Hein. Comme je l'ai dit, je ne dis pas être digne d'avoir peut-être des dons pour mon contenu, bien que, à mes yeux, ça fasse de la qualité. Donc peut-être, éventuellement, que j'en aurai, mais bon, bref. C'est tabou, je sais, j'en demande, mais c'est comme ça. Je suis qu'un petit youtubeur, je gagne pas non plus des masses avec la YouTube monnaie, loin de là. Écoutez, là, je crois avoir fait le tour. Donc oui, comme je l'ai dit, la chaîne secondaire sera dans la description, système de dons sera dans la description aussi. Cœur City, n'hésitez pas pour The Aristo 97, parce qu'on a enfin fini ce tournage. Les 5000 abonnés, merci énormément. Je vais vous faire une vidéo remerciement plus une FAQ. Et écoutez, encore désolé pour le manque de vidéos sur la chaîne qui, ces dernières semaines, ne vont toujours pas s'arranger, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, c'était plus une vidéo vlog, ça dit. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne secondaire, j'espère que ce ne sera pas non plus qu'une cinquantaine, ce serait bien regrettable. Et écoutez les gars, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.